On est en route pour aller dans une zone commerciale hyper sexy. On va Moi aller ou la zone commerciale? la zone commerciale, les deux. On va aller chercher un petit truc à manger, un truc à grignoter plutôt, parce qu'on n'a pas mangé ce midi et on n'a jamais fait ça. Là, ça fait deux fois en vidéo qu'on fait ça. Deux. De pas manger à midi. Ouais, mais ouais. Ça arrive bien, mais enfin, en fait, on n'a pas mangé à midi. Là, il est genre 15h et on n'a pas encore mangé. Aujourd'hui, on a envie de passer une petite soirée, genre méga cocooning, en mode un peu Harry Potter et tout. Harry On va Potter. recommencer un marathon. Et du coup, j'ai cuisiné ce matin, vous l'avez vu, des cookies, des flat cookies. J'ai fait la recette de Super Lumos avec un peu de fleur de sel et tout, incroyable. On se dirige pour aller chercher un petit truc à grignoter. Ce soir, on va faire un bon gratin de pâtes. Ça va faire plaisir Bah pour tu regarder Harry Potter. bah en fait c'est ça le truc, j'allais dire tu rigoles, mais un bon gratin de pâtes, waouh le monde, un bon gratin de pâtes avec crème fraîche et tout, en vrai moi je trouve ça hyper anglais, enfin c'est pas anglais mais tu vois, je sais pas, Ouais, on voulait une soirée un petit peu british et tout, il y donc a un là en même côté temps, tu vois froid ouais, quoi. c'est ça. Là en même temps, on va s'acheter un peu des trucs à regarder devant la télé, un truc vraiment cocooning, un petit vlogmas tranquille quoi. Yes, ça, il t'entend. Un petit vlogmas cosy, un petit vlogmas tranquillou, une bonne petite soirée sous la couette. Désolé, Ouais. je suis un peu concentré sur la route. Moi j'ai un coup de barre de meuf qui a pas mangé. Ah ouais? Ouais, là j'ai un coup de barre de meuf qui a pas mangé. Ça va être très très dur de passer devant genre les sushis, les trucs comme ça. Ah, le problème, c'est qu'en fait, les sushis. Et de ne pas craquer. Tu trouves pas que ça coûte toujours une. Bah si. Franchement, Mais les sushis, les c'est sushis burn, dans les quoi. Auchan, les trucs et tout, en plus c'est dégueu. Mais là, comme on va aller faire des petites courses, on va passer dans un Auchan. Et Et quand même. t'as faim, même si tu sais que c'est pas genre incroyable, ça te donne quand même trop la dalle. Juste après, on va en profiter pour aller acheter les croquettes d'Albus et pour terminer de tourner une vidéo qu'on a commencé à tourner. Ouais. En fait, on voulait tourner une vidéo où on crée un calendrier de Ah l'Avent non, à non, non. Albus. Cette vidéo était un énorme fail, mais Bah, c'est elle une est galère. hilarante. C'est une galère. Mais c'est une galère parce qu'en fait, on voulait acheter plein de trucs différents. Et en fait, on s'est rendu compte que si c'était pour faire un calendrier de l'Avent et ne pas lui faire de cadeau, tu vois, en fait, on Oui. s'est dit autant lui acheter plein de petits trucs qu'on C'est lui ça. offrira à Noël, ça lui fera beaucoup plus Ah, plaisir. on lui offre qu'à Noël. On lui offre un peu de temps en temps. On lui offre tout d'un coup à Noël. Oui, tout d'un coup à Noël. C'est son premier Noël où on lui Ouais. offre vraiment tout. Donc oui. Bah non, c'est son deuxième. Mais... On s'est mis un budget de 30 euros. On s'est dit 30 Ok. euros, comme ça on lui achète un peu des barres. En fait, je voulais lui acheter des trucs de friandises, on n'achète jamais. En fait, moitié-moitié. Et lui acheter des jouets, mais des jouets conneries. Parce qu'en fait, quand on lui achète des jouets à Albus, à chaque fois on lui prend des jouets de bonne qualité. On lui achète que des peluches Kong et tout, Ouais. qui gardent longtemps. Un Mais peu Albus, il relou. Ouais, adore aussi. C'est les petits jouets à 3 euros qui défoncent en 3 jours. faut qu'on trouve quand même, hein. Tu vois ou pas? Ouais, je vois. Mais moi, le Et en pro... fait, les petits jouets à 3 balles qui défoncent en 3 jours, on n'en achète jamais. Parce qu'on se dit, bon, bah dans 3 jours, le truc est mort. Et là, j'avais envie de lui acheter plein de petites conneries, tu vois. Ok. Mais tu sais que ça va être dur parce qu'on va avoir des bons trucs. On va avoir envie d'acheter. Ouais, mais on se fait un petit challenge, on se met un petit budget de 30 balles Ouais, et. non, mais je sais, non, mais je te dis, tu sais que ça va être dur. Donc, vous verrez ça dans la vidéo, genre le Noël de mon chien, quoi. Je sais pas comment je vais l'appeler, je vais faire un calendrier de l'Avent à mon chien. Genre, Ou j'achète les cadeaux de Noël de mon chien parce que c'est un peu ses cadeaux de Noël, quoi. une journée pour mon chien. Et genre, c'est une journée pour elle. Genre, le jour où on fait ça, même si c'est un peu avant Noël, genre, on lui achète un cheeseburger. Genre, on fait vraiment une Ce journée serait bien pour que, lui. ouais, une fois par an, on lui achète un truc qu'il mange jamais. Tout Au pour McDo, lui. on lui prend un cheese, mais genre sans C'est ketchup, ça. sans rien, genre juste la viande et le pain et le fromage. Ça n'arrive qu'une fois par an, tu vois, mais genre c'est le méga C'est ça. kiff. Passager, on est dans le lit, on va le promener, Bon. une promenade en forêt sans laisse, il revient. Bon, on verra. On vous laisse, les gars, on vous retrouve après avoir fait les petites emplettes et on va voir ce qu'on achète. Je sais pas Bisous. encore. Bisous! On a été faire les courses, on rentre des courses. Je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Il n'y a pas de micro, donc nous parlons bien fort. Pardon. Déjà, on a trouvé un truc pour Albus. Voilà, on est tombé dessus, donc on l'a pris. Il y avait des peluches Pokémon. On a pris Pikachu. On aurait préféré prendre un autre Pokémon, mais. Mewtwo, il y en a plein, Ouais. mais Mais en fait, Ectoplasma. comme on sait que les chiens, ils voient de ouf le jaune, Ouais, on a pensé à lui. on a pensé à lui. Plus qu'à À nous, nous. on va dire. Parce que c'est quand même un de ses petits cadeaux de Noël. Donc on a pris un Pikachu comme ça. Vous voyez quand je vous dis des trucs où on sait qu'il va les détruire, Ça, il va le mais tuer. les oreilles, elles sont comme ça. Ça dépend. Soit il va le tuer, soit ça va être son petit doudou et il va Ouais, rester avec. Mais ouais. je pense Mais qu'il il va le est tuer. tout fluffy, pardon. Il est tout fluffy, il est trop mignon. Donc on a pris ça. On a dit On avait trop la qu'on. dalle, Ouais, mais. on a vu ça, on s'est dit on prend ça. Ce sera clairement pas assez, mais Ouais. on va remanger en rentrant. T'as un bon goûter, quoi. Et on Oh a l'odeur. trouvé ça. Ça, je sais que ça a fait le buzz MDR. La base. Parce qu'apparemment, ça a le goût de qu'il y a à l'intérieur du Kinder Bueno. Et c'est comme ça, vous voyez. La marque Nutella, donc on va tester avec vous. Évidemment, qui dit Vlogmas, qui dit Noël, qui dit ambiance cocooning. On a pris des chips à la tartiflette. Alors, mes chips préférés, c'est les Tyrell. Les chips préférés d'Enzo, c'est les Lay's au four. Oh, rien d'y penser. Ouais. Et de temps en temps, on prend des breads quand on a vraiment envie de tester un goût un peu spécial. Et là, il y avait à la tartiflette. C'est quoi, on va goûter tout de suite. Ouais. Ça, bon, j'en parlerai une autre fois peut-être, mais en termes de valeur nutritionnelle, franchement, c'est pas dégueu. Elle sonne pas la tartiflette, je trouve. Sent un peu de fromage quand même. Fais ça, tu vas sentir les lardons. Fais ça. Tu sens les lardons ou pas? Non. Moi je les sens.
fait un peu le goût des Lay's 4 premières comme quand on était petit. Ouais. Si, c'est à goût de la tartiflette. J'aimerais trop faire la vidéo, comme un plat avec Carlito, ils ont fait. Ah, moi aussi, j'avoue que j'aimerais bien. C'est goûter toutes les chips à l'aveugle et trouver les goûts. J'aimerais bien aussi, mais ça, mec, par contre, c'est un budget. Hein. Bah ouais. Moi, je trouve que ça a le goût, goût de chips fromage, tu vois. Moi, je trouve qu'on sent quand même un petit peu. Ah ouais? Ouais, trop bon. Il y en a vraiment, tu goûtes, tu dis ah ouais. Ouais. Bon, et là on passe au sushi. Ah, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Vous voyez, quand vous allez faire les courses et que vous avez faim, c'est très mauvaise idée. Après, on a respecté notre budget. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, on fait moitié-moitié surtout. Ouais, on a pris une petite eau. Nestlé, ça c'est l'eau qu'il y avait dans le distributeur de mon école, la marque Nestlé. Et du coup, je l'adore. J'aime pas toutes les eaux, moi. Ouais, bon, mais tu sais, moi je trouve que l'eau, ça a un goût. Hein. Ah, ouais, ça a un goût de ouf, tu rigoles. Il y a des eaux qui sont dégueulasses. Mais prendre des baguettes. Ah ouais. Il y a un été avec Enzo, on se croisait toujours dans la voiture parce qu'on n'avait pas de thune pour partir en vacances. Et on avait pris la... Comment ça s'appelle le truc du coffre là? Ah ouais, c'est salé? Ouais. Ah vas-y, bon bah. Et en fait, on l'a enlevé, ça fait un petit plateau. On le mettait sur nous, là, sur nos jambes. Mmh. Et on faisait des parties de Uno et de Dame, ouais. Mais pendant des heures dans la voiture sur, sur le parking du Kinépolis. Ouais, tu te souviens? Ouais, et sur d'autres trucs. En fait, dès qu'il faisait beau, on allait sur un parking. Ouais. On jouait à ça, on laissait tout ouvert. Et on se prenait souvent du coup à Intermarché, à un match ou quoi. On se prenait des petits trucs comme ça. Grignoter et on jouait toute l'après-midi. Et je me rappelle, on se posait, ou même genre on allait au Kinépolis et on se posait boire un. On prenait un chocolat chaud et on se posait, vous savez, dans le hall du Kinépolis, il y a des petits cafés. Moi j'adore le wasabi. Donc j'en fous partout. Tu te rappelles chocolat chaud et on jouait pendant 4 heures, genre le chocolat chaud le plus rentabilisé du truc quoi. Et on jouait pendant 4 heures aux dames et tout. On était trop fort en vrai. Ah ouais. C'était devenu trop fort. Bah, tiens, non mais faut que je me contrôle en fait. Parce que là je. T'as envie de les déglinguer? Ouais, faut que je me contrôle vraiment. Waouh. Ah le wasabi est fort. Il m'a débouché la narine. Faut que je goûte. Non. Si. Alors c'est bon. Mais genre t'apprécies ou t'apprécies pas? J'apprécie. Bon, j'ai mangé tous mes trucs. Là. Bah ouais. T'es vraiment un goût frein. Bah j'ai trop faim, je te jure. Mais fais juste en prendre ça comme un vieux, tu m'as dit non. Voilà, voilà. Tu sais de quoi j'ai trop hâte? Oui, tu as trop hâte de quoi? D'acheter de la nourriture de Noël. Quand genre... c'est les fêtes, quand c'est la période des fêtes. Ils vendent que ça. Mais c'est quoi pour toi la nourriture de Noël? Des pommes dauphines, du saumon, du pâté, tu sais, genre tous les trucs de Noël qu'ils mettent en tête de gondole. Et genre que quand on aille faire les courses, c'est les courses de la semaine, on achète que ça, on bouffe ça tous les jours. Tous les jours, on va faire un repas de Noël. Tous les matins, 10h, ça sera un repas de Noël. C'est le meilleur, ça. Ouais. En plus, on a failli se faire brain parce qu'il y en avait un. Vous savez, les grands en forme de sapin de Noël. Non, non, pas on. Incroyable. Elle a failli se faire brain. Moi, je suis vraiment une pluie, j'ai moi. Attends, je vais finir. Non mais arrête de lécher ça non plus, t'es pas un chat ou un chien. C'est bon là. Mais il lèche un truc comme ça. Tu sais, quand je suis tout seul, y'a personne qui est là pour me dire fais pas ça. Viens avec moi. Ah ouais, bah... Viens goûter nos chocolatins. Bon, je mange juste encore un peu de salé. Mais on va rentrer, on va faire un gratin. Ouais. C'est ce que c'est, un gratin? Elle est où l'eau? Boire un peu d'eau. Elle est où l'eau? Elle est où l'eau? Tu veux les poissons dans des mots ou pas? Ouais. TikTok. Non mais... On dirait pas. Merci. Il est super épais le truc, regardez, c'est comme ça. Alors, c'est bon? Mmh. Bon, en termes d'odeur, c'est un goût de biscuit. Arrête de dire biscuit. Ça goûte pas du tout le truc qui est du Kinder Bueno White, mais c'est trop bon. Ouais, c'est bon, je sens pas le Kinder Bueno White. Non, non plus. T'as jamais mangé que la crème? Non, mais après c'est mon dernier parce que il y a des cookies à la maison, j'ai envie de me réserver pour les cookies. Tu peux manger les deux, hein. Ah ouais, la crème elle est bonne. C'est lequel ton Harry Potter préféré? Le 4, la coupe de feu. La coupe de feu, c'est mon préféré. Ouais. Moi, c'est lui que j'aime le moins. Préféré, c'est ça, le prince de sang mêlé, j'aime. Mon préféré, c'est le prince de sang mêlé. Moi, mon personnage préféré, c'est Rogue. Oh, moi aussi, en fait. Et je trouve que le prince de sang mêlé, en plus, je trouve que dans les films, c'est genre le premier qui est vraiment dark. Tu vois ou pas? Non, je crois que c'est le prince de sang mêlé aussi. Je le kiffe, il est trop bien. Et Rogue, c'est mon perso préféré. Ça que vous aimeras. Tu pourras couper. Bah, alors là, pas du tout. Vas-y, assume d'être gênant. Il assume pas du tout là. Regarde-les dans les yeux. Je suis désolé. Tu sais qu'on a fait un quiz Harry Potter à l'école. Les élèves m'ont posé des questions, j'ai répondu à tout. Ouais, mais eux ils sont au début de leur kiff d'Harry Potter. Moi j'ai des années d'expérience. T'es une ancienne toi? Bah, je suis une ancienne moi. Donc j'ai répondu à tout, ils étaient choqués. Moi j'aime bien le 6 parce que c'est pour le coup le sort Sectum Sempra. C'est ça le sort? C'est autre chose. Pourquoi tu me genre tu viens de le dire? Ouais, c'est Sectum Sempra. Moi je sais que j'ai des problèmes de diction. C'est Sectum Sempra. Donc je peux me tromper sur le nom du sort, mais ce sort là, tellement stylé. Ouais, c'est vrai qu'il est trop stylé. Pour moi, c'est le meilleur film. Ah, donc stylé. Pour moi, c'est mon film préféré parce qu'il tourne autour de Rogue. Et comme Rogue, c'est mon personnage préféré. M'arrête là, j'en prends le dernier. Il y a des cookies à la maison. Hein. Bah, manger. En plus, je trouve que le prince de sang mêlé, c'est trop stylé comme surnom. Ouais. Et vous, c'est qui vos persos préférés? Qui est votre personnage Harry Potter préféré? Et quel est votre film Harry Potter préféré?
Allez, let's go. On va aller à Max Iso avec une bonne haleine de tartiflette. Et après, on vous retrouve à la maison. Cookie verre de lait et Sarah Harry Potter. Let's go. Et gratin de pâtes. On a acheté aussi de quoi faire une tourte demain. Une tourte à l'anglaise avec genre du poulet, du maïs, du cheddar. Trop bon, des mini tourtes. Je pourrais vous donner ma recette si jamais ça vous intéresse. À savoir que la seule fois qu'on a mangé une tourte dans un restaurant, c'est disputé. Ouais, c'est vrai, c'était à Dublin. C'est non, vrai c'était ça pas à Dublin. Non, c'était à Galway. À Galway. À Galway. C'était à Galway et on s'est disputé. Ouais, on était vraiment comme ça, genre. Non, en train de manger. Et c'est là qu'on a rencontré. Comment il s'appelle déjà le chanteur qui chantait dans la rue? Oui, mais je sais plus son prénom. Mais on s'est disputé. Padraig McMahon. On avait rencontré un mec qui chantait dans la rue, là, vous voyez, avec un micro. Et on avait pris son Spotify, enfin son blaze à l'époque SoundCloud. Et il s'appelle Padraig McMahon. Il y a pas plus. Ouais. Bah ouais, il y a pas plus irlandais que ça, genre. Ah, tu et d'ailleurs, il était déjà venu à Lille. Ouais, bah je l'ai suivi pendant longtemps. Allons à Max Iso, à toutes. Allez, bisous. Bon les gars, on est rentré des courses et on est passé à Max Iso et on a acheté là les trucs pour Albus. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé à tourner une vidéo avec Enzo où on voulait faire un calendrier de l'Avent et où finalement on a décidé de plutôt acheter plein de cadeaux de Noël et on a acheté là les trucs. Du coup dans cette vidéo là, je vous fais l'unboxing de tout ce qu'on a acheté. La vidéo sort bientôt. Si elle est déjà sortie, je vous la mets en barre d'infos. Si elle est pas encore sortie, elle sort bientôt. Et on lui a acheté plein de jouets, plein de friandises. On a pris des trucs trop stylés qu'on prenait jamais. Genre des barres à l'unité et tout, enfin, des trucs trop stylé et du coup j'ai trop hâte qu'il ouvre tout. Dans un vlog évidemment je vous montrerai sa réaction à ses cadeaux. J'ai envie de tout lui offrir d'un coup mais j'ai aussi envie de lui donner un petit peu au fur et à mesure là pendant le reste du mois de décembre. Donc je sais pas quoi faire, je sais pas si je vais au fur et à mesure ou si je fais tout d'un coup vers Noël. Donc dites-moi, je pense qu'on essaiera de se faire un petit repas de Noël tous les trois à la maison un soir et tout et on verra si on lui offre à ce moment là. Enzo il est rincé parce que pendant l'unboxing il est parti promener le bus sous la pluie. Et le vent. Ouais et il fait froid dans le nord, laissez tomber. Là dites-vous il est encore tôt, vous avez vu comment il fait nuit. Bon là c'est les traces de nez d'Albus qui regarde par la fenêtre mais vous avez vu comment il fait nuit dehors. Il est même pas trop tard là. Bah non, c'est déprimant. Moi ça me dérange pas mais toi je sais que... Bah l'hiver au mois de janvier, février c'est déprimant. L'hiver au mois de décembre comme il y a un peu la magie de Noël, ouais. Je trouve que ça va. Janvier, février c'est l'enfer. Je pense que février c'est le pire. Novembre, février c'est... Novembre et février ouais c'est dur, ouais c'est vrai. Parce qu'octobre tu te dis Halloween et tout, décembre c'est Noël. Janvier, nouvelle année. Ah, mais novembre, c'est encore chou parce que novembre, comme c'est l'automne, t'es un peu aussi dans la période, un peu. Ouais. Non, après les fêtes, c'est chiant. Après les fêtes, la reprise du taf, t'es au mois de janvier, il te reste la moitié de l'année à terminer. C'est pour ça que j'avais fait un mois de vidéo au mois de janvier parce que je trouve que c'est un des mois les plus durs de l'année. Là, le gratin de pâtes est en train de cuire. J'ai la dalle. Laisse tomber, j'ai la dalle. Je vais vous montrer les cookies que j'ai fait. Je vais vous montrer. Ils ont l'air trop bons. J'ai fait la recette de flat cookies de Super Lumos que je fais tout le temps parce qu'elle est excellente et depuis que j'ai testé, alors que moi, je suis team cookies super épais, mais depuis que j'ai testé, la recette de Super Lumos, je fais tout le temps ça, donc je vais vous montrer. Je les ai mis dans le coin là où il y a mes épices et tout à refroidir pour pas qu'Albus les touche. Mais regardez, ils sont comme ça. J'ai mis de la fleur de sel dessus. Je sais pas si on voit bien. Je pense que vous devez normalement bien voir, mais ils sont incroyables. Vraiment, ils sont excellents. Donc j'ai mis du lait au frais pour avoir un grand verre de lait froid et ça va être trop bon. Et j'ai mis le gratin à cuire. Je pense qu'on va aller préparer le lit et tout. On va mettre une petite guirlande et tout. J'ai mis le dessus de lit en mode tartan écossais. Ah ouais? Ouais, et du coup on va mettre la petite guirlande, ça va être Harry Potter, ça va être incroyable, ça va être génial. Arthur. Je viens d'appeler Albus Arthur. Arthur, mais d'où ça sort ça? Je sais pas. Mais regardez ce dingue là. Et Albus, t'es vraiment hystérique hein. Regardez-le. Enzo, recule tes pieds, tu vas finir sur Wikifit. Bah si je suis payé, en vrai je m'en fiche complètement. Ah bon? Ouais. Tu vendrais tes pieds? Mes pieds ouais. Ah. Ils sont pas très beaux, je vois pas qu'est-ce qu'ils vont les acheter. Non ils sont beaux mais... Ils sont marrants. Ça veut dire quoi ça? Ils sont beaux tes pieds. Ah oh, vraiment une de ces drama queens, j'ai jamais vu ça mouvement. De ma vie. J'ai fait un faux mouvement. Regardez-moi cette drama queen, qui au moins il est insupportable. Regardez sa tête. Regarde cette tête. C'est quoi cette tête? C'est quoi ce regard? Bon, tout ça pour dire que le gratin de pâte est au four, Harry Potter est au four. Là, tout est en chargement, la soirée est en chargement et ça va être trop bien. C'était pas prévu aussi, mais on va avoir des potes. Ça va être trop bien. J'espère qu'on va pas rentrer méga méga tard parce que demain je dois monter 3 vidéos. Et ça c'est autre chose. Regardez le petit Sasa. Regardez Enzo, il a mis la guirlande et il m'a dit j'ai fait un petit style, j'ai fait des étages. Regardez comment il a mis la guirlande. Tu vas pas autrement. Ici du coup on a le petit repas de ce soir. On a la montagne de flat cookies juste ici avec la petite fleur de sel et tout. Et là le petit gratin de pâte feta, tomate cerise, crème. Incroyable, trop trop bon. Ça vraiment j'ai mis
une feta entière à rôtir avec des tomates cerises et de l'huile d'olive au four avec de la fleur de sel. Et après, on rajoute de la crème, on écrase tout et des pâtes et on remet au four. Et ça fait un gratin incroyable. Notre fidèle acolyte Albus, toujours présent. Le petit plaid en tartan, la petite guirlande, la petite soirée du bonheur, quoi. J'irai chercher des petits verres d'huile au dernier moment pour les avoir bien frais. Et les manger avec les cookies. Et après, ce soir, on va boire un verre avec nos potes. Et ensuite, on rentre à la maison. On finit le film. Et après, dodo! Je suis mort. Ouais, je sais. On va faire une pause dans le film pour aller boire un verre et après, on revient. On va pas rester longtemps. Ouais, moi non plus. Je suis en mode giga flemme. Trop mignon, la petite guirlande. Ça va aller, t'inquiète. Ça fait trop du bien. C'est exactement ce qu'il faut aller là. On se retrouve tout à l'heure, les gars. On va manger tranquillou. Peut-être qu'on vous fera, ça pourrait être marrant. On fera peut-être un petit mot en rentrant de soirée. Après, on va juste boire un verre, hein. Vous inquiétez pas. À toutes. Enzo est parti chercher du lait pour manger avec les cookies. Et j'avoue que le gratin de pâtes est en train de me taper. Et donc, je commence aussi à avoir la flemme de sortir. Alors là, je suis trop bien. Je viens de manger un énorme gratin de pâtes. Et je vais manger des cookies au chocolat devant Harry Potter. J'ai plus du tout envie de sortir. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Mes mèches de devant, parfois, je les trouve pas très belles. Genre, regardez cette boucle, on dirait une chips curly. Genre, on dirait un asticot, quoi. Merci. Verre de lait, cookie, pas le temps de niaiser. Donc là, comme on parle dans 20 minutes, je vais me poser un peu, d'accord? Ok, donc ça veut dire que je vais dormir. Non, je vais pas dormir. D'accord. Allez. I can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. This year, I'ma give you something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hope that I won't forget it, then I won't forgive it. Bon. On est rentré du verre avec nos potes. Je suis crevée. Et j'ai fait un move très, très peu intelligent. J'ai fait une lessive avant de partir. Ce qui fait que je dois l'étendre. Avec cette tête. Là, je suis encore maquillée, hein, donc ça va. Dans deux secondes, j'allais me démaquiller, ça va être une autre affaire. Mais vous comprenez, avec cette tête, que j'ai la giga flemme. Attendez, où est-ce que je peux vous poser? Parce que je trouve pas le trépied. Et là, à cette heure-ci, je vous explique. J'ai la flemme. Il y avait des trucs un peu intimes, j'ai enlevé ce qu'il y avait d'intime, on peut parler. Regardez, j'ai toujours mes chaussettes que ma sœur m'avait offert pour le diplôme avec la pire photo d'Enzo et la pire photo d'Albus. Elles sont hilarantes, j'adore ces chaussettes. On a été voir nos potes, c'était trop cool mais fatigant. Comme à chaque fois que bah, vous voyez des gens. Donc là, on vient de rentrer, je vais étendre le linge et on va finir de regarder Harry Potter. Je vais me refaire un cookie parce que je l'ai bien mérité, j'en ai envie en plus. Même si j'avais la giga flemme, il y a quand même aussi rien de plus mood de Noël que de voir ses proches. Et d'aller boire des petits verres comme ça le soir, avec une petite ambiance où il fait froid et tout, c'est quand même très cool, on va pas se mytho. Bon, je mettrai à sécher mes slips après parce que on est proches, mais quand même quoi. Faut absolument que je me rachète des chaussettes, si vous le savez pas, je collectionne les chaussettes. Surtout pour des événements particuliers de type très stressant. Ça me fait du bien d'avoir des paires de chaussettes un peu spéciales. Et j'en achète souvent pour des occasions particulières. Mais là, je commence à être à court de chaussettes cool pour mettre dans la vie de tous les jours. Et du coup, faut absolument que j'aille m'en racheter. Je pense que je vais me poser sur ça. Quand j'avais passé le diplôme et je vous avais demandé des marques de chaussettes trop stylées pour acheter ma paire de chaussettes spéciales pour le diplôme, il y a l'une d'entre vous qui m'avait partagé un site de chaussettes archi stylé. Donc je pense que je vais aller y faire un tour. Mais bon, en dehors de ça... Il est tard, je vais pas tarder à aller me coucher. Je voulais juste vous faire un petit bisou avant de partir pour vous dire à demain. Parce que pendant tout ce mois de décembre, je sors une vidéo tous les jours, tous les soirs. Donc on se retrouve demain finalement. Ce pull là, Enzo le déteste. C'est un pull vraiment que j'avais acheté comme ça très vite fait un jour, qui est vraiment d'une qualité médiocre. Mais il me fait trop rire et je l'adore. Il est marqué positive énergie et Enzo le hait. Et j'adore le mettre pour les... J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vais finir d'étendre mon linge. Enzo s'est réchauffé le reste du gratin de pâtes. Et moi, ça va finir en verre de lait cookie. Je vous fais des gros bisous avec mon horrible pyjama. Qui est super moche. Il est super moche. On va pas se mentir, ce pyjama, il est affreux. Mais il a une texture qui est incroyable pour l'hiver. Mais il est affreux. Je le déteste. Mais en même temps, je l'adore. Bref, faut que j'aille dormir. Vous voyez mes cernes. On a tous compris. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à demain dans un nouveau Vlogmas. Et abonnez-vous. Bisous.